pas tout seul, putain. T'es tout seul, doucement. Voilà. Pour l'excellent Hasselbacher qui pénètre et qui tranquillement de... Très bien, on fait ressortir en extérieur, shoot à 3 points. Et réussi, un 3 points. Ah ouais, on sent les joueurs du cœur là-bas avec énormément d'envie, mais manque d'adresse, trop de précipitation. Jeu depuis le fond avec Hasselbacher qui va essayer de s'infiltrer, il leur fait mal à Hasselbacher, un peu court. Et récupération pour Hasselbacher. Qui immédiatement lance Salel et très facilement et pour Kern Bessoa et une tentative réussie, encore un échec et contre-attaque d'Hasselbacher pour toujours pour Hasselbacher qui fait très très mal. Voilà, personne qui le suit. Habituel et ça fait mal alors que là Hasselbacher sans on pourrait revenir à des... Un score bien plus intéressant. Hasselbacher, vraiment. Hasselbacher. C'est assez impressionnant et agréable à voir. Et encore Hasselbacher. Ils sont au-dessus. Voilà, et encore des points. Alors attention pour Pamiers parce que justement l'UOP, il ne faut pas qu'ils oublient leur objectif. Voilà. Il y a toujours Hasselbacher qui va prendre la main et qui finalement. En bonne position de tir. 60 points pour cette équipe du Carla. On a eu très peur à un moment donné. Hasselbacher, Salel. Et toujours Salel. Je pense qu'il met les deux tiers. Hein. Il met les deux. On a notre technicien qui nous fait signe que non. Il y avait. C'est deux lancers. C'est voilà, deux. Sur le ralenti, on peut voir qu'il n'était pas sur la ligne. Mon cher Alain. Sur le ralenti. Thank you.
permettre. Ah, très très belle. Transfert sur Hazelbacher qui joue le contre-pied face à Subra. Très bien joué, passe à Henri Beau dans le petit corner qui marque. Un ou deux paniers de plus, ils sont dans le match, c'est complètement différent. Burkler, pardon, Hazelbacher à la manœuvre. Voilà. Voilà, difficile parce qu'il n'est pas en rythme au moment du tir. Et Hazelbacher en transition avec la planche sur les situations de 1 contre 1. Et alors, il va devoir faire sa troisième fautale. Et alors, il est pallié par une envie qui est quand même assez impressionnante. Début de Cartan bien difficile pour les Atois. Chaque fois, il souffre et voilà, 5 points. Ils arrivent à fermer ça. Et le jeu. Et là, on remet à l'intérieur, voilà, ça transfère. Encore Hazelbacher, aïe 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 aïe. Ça y est, Romain, Romain. Josh, espèce d'égoïste, bah, tu crois que je te vois pas ici? Bah, ils ont 3 meneurs dans leur équipe. Oh, 5, 10,
Cameroun. Le temps, je me suis réveillé 24 secondes effectivement. Ah, Jordi Molinet là qui perd sa pluie et Tanner Hazelbacher. Voilà, on a Romain Soula qui est très ouvert en haut et bien joué. On libère Tanner avec la plante. Ah, il y a du duel à l'intérieur. Il faut lâcher, quand même. Il faut lâcher. Il va s'enfermer, c'est dur. Défixé de la part. Ah, belle passe de Danlel. Ouais, c'est Tanner, ouais, Tanner qui gagne, oh, sportive. Hein, et deux lancers francs et possession pour Tanner. Oui, et Tanner interception à nouveau. Là qui a surgi pour la prendre dans les mains de McGee. Voilà, très bien joué. Test là. Allez. Tanner à 3 points. Ballon revient à Zellbacher qui attaque à son tour, superbe mouvement qui a fait sa première faute assez rapidement. Oh, et Zellbacher, magnifique travail de fixe qui se joue, hein, donc forcément ça met une sacrée pression. Zellbacher en sortie d'écran, notamment demandé par Bernard Moronval qui va recadrer ses troupes. Donc pour rappeler l'année le tir qui s'est pas livré justement là-dessus. Attention, 3 points encore pour Zellbacher. Et Zellbacher, voilà, sur la les 4 fers en l'air après un contact sur Azik. Et ouais, 3 points. 3 points d'Azelbacher. Tir raté, mais rebond de Salel. Allez. Pour relancer rapidement, il reste 15 secondes à jouer. Azelbacher. Voilà. Ah, voilà, très bien joué. Thank you.
permet donc aux locaux de mener 11-9. Et si je m'abuse, c'est la première fois qu'ils prennent le devant. 6 minutes dans ce premier quart-temps, alors que là, on a vu une petite passe encore de Santa Rosa, voilà, qui calme le jeu. Passage. On repart toujours avec Azel Bakker, qui est aux prises avec son vis-à-vis très bonne et très très bonne. On marque moins déjà dans ce deuxième quart-temps, avec très tranquillement Santa Rosa, l'arbitre pas faute. Petite faute et contre-attaque réussie. Carrière, il est tombé contre le mur Saliel et allez, allez.